Est-ce qu'on va se connecter avec Robert? Ah, voilà. Ah, ben voilà, Robert. Voilà, Robert. Est-ce que tu peux parler, Robert? Comme ça, on voit si on t'entend. Bien sûr que vous m'entendez. J'enlève mon chewing-gum et ça ira. Bon, ben, bonjour à tous. Je suis très heureuse, ainsi que tous les membres des rencontres philosophiques, de se retrouver enfin après de longs mois d'interruption. Nous avions initialement prévu aujourd'hui une intervention de Vinciane Després et de Didier Debèze dans Désir de philosophie, mais qui n'ont malheureusement pas pu être là. Et donc, nous avons souhaité, avec les membres fondateurs, Robert, Joseph, Raphaël et moi, vous proposer un temps de réflexion, mais aussi et surtout d'échanger avec vous, car nous avons besoin d'une parole qui circule en ce moment, de vos questions, de vos interrogations, pour avancer dans la réflexion. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, on va tous un petit peu parler, mais ensuite, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole parce que nous sommes tous engagés dans ce questionnement et on doit aussi avancer ensemble. Donc, Robert, qui n'a pas pu venir, est avec nous par Skype et donc, il participera activement à cet échange avec nous. Donc, avant de laisser Robert, Joseph et Raphaël parler, voilà, je vais amorcer un tout petit peu la réflexion et voilà, parler un petit peu du thème qu'on a choisi, enfin la question qu'on a choisie. Donc, on a aujourd'hui choisi d'aborder une question qui, évidemment, nous hante tous depuis des mois et qui revient chaque jour de manière lancinante, obsessionnelle. À quand la fin de l'épidémie? Cette question, évidemment, elle monopolise toute notre attention, toute notre concentration, et c'est quasiment ce qu'on pourrait appeler une idée fixe. Mais nous ne sommes pas là en tout cas les philosophes ne sont pas là pour répondre à cette question, car évidemment elle s'adresse davantage à un scientifique ou à un épidémiologiste plutôt qu'à un philosophe qui serait davantage à même de donner une réponse peut-être scientifique à cette question, ou en tout cas faire une prédiction en quelque sorte. Mais pour nous, il s'agit aujourd'hui de se demander ce que cela veut dire que de vivre avec cette question. À quand la fin de l'épidémie, qui modifie considérablement notre rapport au temps, à l'autre, à l'action, mais aussi à la responsabilité. Donc, nous sommes tous, depuis des mois, confrontés à une nouvelle expérience temporelle. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va, je pense, tous aborder, c'est notre rapport au temps qui a profondément changé. Parce qu'il y a une certaine conscience du temps que nous éprouvons habituellement plutôt dans un événement, on va dire, exceptionnel, qui vient nous frapper de stupeur, comme dans un tremblement de terre, un attentat, une expérience qui nous laisse un frisson, car on la vit tous ensemble dans un temps très urgent et très réel. Mais en général, ça dure très peu de temps. Mais cette conscience donc, d'un temps réel, d'un événement qui s'impose, accompagne en ce moment chaque instant de notre quotidien. Et nous sommes en quelque sorte dans une souffrance temporelle, car nous vivons depuis des mois dans le suspense, avec l'idée qu'un dénouement viendra bientôt nous libérer de cette tension insupportable. Et donc la question revient chaque jour, chaque nuit, chaque matin, quand cela pourra-t-il prendre fin? Et donc, nous sommes tous, en quelque sorte, pris dans un questionnement obsessionnel et on se raccroche à la moindre information, au moindre détail, au moindre article qui pourra nous faire entrevoir une porte de sortie. Mais j'attire votre attention sur le mot « obsession » et qui désigne donc une pensée, quelque part, qui assiège le sujet, qui occupe tout notre espace psychique et, en quelque sorte, par la suite, limite nos relations avec le monde extérieur. Et ça, cette obsession, quelque part, il faut bien se rendre compte qu'elle est interne et qu'elle n'est pas forcément en lien toujours avec un événement extérieur. Par exemple, je vous donne un autre exemple, l'obsession, par exemple, de la trahison dans la jalousie peut surgir indépendamment des faits ou de ce qui peut se passer réellement, car elle provient souvent peut-être d'une faille narcissique, d'un manque affectif insondable qui anticipe la perte pour retrouver quelque part un sentiment de toute puissance.
Donc le mécanisme obsessionnel constitue une sorte de défense contre des sentiments de détresse et de désespoir et permet de tenir, en tout cas permet parfois au psychisme de tenir face à la menace d'un effondrement qui pourrait retentir sur toute notre organisation psychique. Mais comme le disait très justement le pédopsychiatre anglais Donald Winnicott, dans la crainte de cet effondrement à venir, nous sommes confrontés à un vide quelque part qui est hors mémoire, qui a eu lieu, mais qui n'a pas de lieu. C'est-à-dire que nous sommes ramenés à des traumatismes antérieurs qui sont parfois très violemment réactivés lorsque nous éprouvons la fragilité de notre condition vitale et qui dépend d'un environnement protecteur. Et c'est bien ce que nous ressentons tous aujourd'hui. Et donc, c'est une véritable épreuve psychique. Et nous vivons tous cette épreuve qui exige à la fois des réponses urgentes, immédiates, mais aussi une action évidemment durable et un engagement solidaire de notre part à tous. Et qui permettra peut-être de traverser cette épreuve qui est aussi peut-être une chance pour réinventer un autre avenir avec la pleine conscience de notre interdépendance et de notre fragilité. Mais le temps d'avant, le temps de l'insouciance peut être masquer certains dangers qui sont aujourd'hui de façon peut-être beaucoup plus dramatique sous nos yeux. Et nous pensons trop souvent donc, que notre avenir dépend de la seule question de savoir quand l'épidémie prendra fin. Quand nous pourrons donc retrouver cette vie d'avant, cette vie normale qui nous condamne pour l'instant à une forme d'impuissance, car nous attendons une fin pour retrouver la vie d'avant. Mais nous savons tous, du fait que la pandémie, depuis qu'elle s'est installée dans le temps, qu'il y a une souffrance dans l'épreuve durable et qu'il y a une mémoire des épreuves. Et donc le retour, quelque part, à la vie d'avant que nous fantasmons tous semble impossible, ou en tout cas difficile. Et pourtant, nous sommes tous en proie à une certaine nostalgie. Voilà, cette nostalgie de l'avant qui contient, à mon sens, un danger qui est celui de vouloir échapper à l'irréversibilité du temps. Et donc, pour clôturer mon petite présentation, j'aimerais vous lire un passage de Vladimir Jankélévitch qui me donne beaucoup de courage et en tout cas qui m'aide à vivre avec cette question à quand la fin de l'épidémie et de résister à ce sentiment d'impuissance pour retrouver au cœur même de l'urgence que nous vivons un temps créateur. Donc, je vais vous lire un passage de l'irréversible et la nostalgie. Aller dans le sens de l'irréversible, souscrire à la futurition, remettre le devenir sur ses rails, telle est en premier lieu la vocation du courage. Tout nous le dit, les yeux, les mains préhensibles, la démarche, la vocation de l'homme est de faire face. De faire face, c'est-à-dire d'affronter, debout, l'adversaire et le danger. De faire face, c'est-à-dire de regarder devant soi et d'aller de l'avant. Ce qui est vrai du mouvement dans l'espace n'en est pas moins vrai du devenir. Le futurisme est une vocation pour celui qui entend l'appel de l'avenir et de l'aventure, et qui s'ouvre à l'incessante découverte des terres inconnues, des impressions inédites et des nouveautés. Il en va autrement du passé. Ce n'est pas le passé qui nous appelle, c'est le nostalgique qui languit et soupire en regrettant le déjà plus. Non, le tropisme passéiste du revenir n'est pas une vocation. Et le trac d'un fuyard en déroute n'est pas une vocation non plus. La vocation, c'est de sortir de la caverne et non pas d'y retourner et de pourrir dans les ténèbres. Sentiment phobique, autrement dit ambivalent, la nostalgie est le désir peureux de faire demi-tour, la peur désirante de se réfugier dans son enfance et de réintégrer frileusement la maison du passé.
L'avenir est le lieu naturel de l'espérance, comme il est le pôle magnétique du courage. Si l'avenir est ce qui fut, et si la futurition fait advenir le passé, alors l'homme n'a pas de vocation. Alors le désespoir barre l'horizon et bouche la seule issue ouverte à notre liberté. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser Robert un petit peu commencer à aborder toutes ces questions. Merci en tout cas d'avoir lu ce texte de Jean Kelevitch qui me touche directement au cœur. Alors d'abord, pardon de ne pas être parmi vous. Quand j'aurai eu mon deuxième vaccin, je serai avec vous et on fera tout comme avant. Merci à ceux qui sont venus écouter cette petite discussion. Et je voudrais donner quelques éléments pour répondre peut-être à quelques questions que posait à l'instant Charlotte. Alors je voudrais d'abord faire un petit préambule. La réflexion sur ce qui nous arrive exige du temps et ne peut pas être hâtive. Si nous voulons éviter que notre regard un peu pressé empêche la nouveauté que nous analysons de se révéler dans son effective réalité. Car comme nous avertissait déjà Emmanuel Lévinas, se presser de dire quelque chose finit toujours par réduire l'altérité à l'ipséité, et donc de ne pas voir effectivement ce qui est nouveau et de le confondre avec ce qu'on connaît déjà. On entend pourtant ici et là de graves discours spéculés sur la fin du monde et la fin de tout, sur l'apocalypse à venir, sur l'épiphanie plus ou moins proche d'un autre monde et d'un monde autre. Dans l'après-guerre, vous le savez, des penseurs tels que Karl Jaspers, Hans Jonas, Gunther Anders ont réfléchi à la possibilité d'une extinction de l'humanité, par référence d'ailleurs aux menaces d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, une fois cette angoisse apaisée par la chute du mur de Berlin, par la fin de l'opposition glaciale Est-Ouest, on se réfère plutôt à la possibilité de scénarios catastrophes, du changement climatique et de l'asphyxie par les déchets nucléaires et chimiques. Or, depuis plus d'un an maintenant, c'est la pandémie qui a pris le relais. Face à elle, on a réagi partout à la manière, c'est curieux, déjà décrite par Lucrèce dans le De Natura Rerum, lorsqu'il raconte la peste d'Athènes. Exactement les phases qu'il décrivait. D'abord, il y a sous-estimation. Ce n'est qu'une grippe. Puis la recherche du bouc émissaire, cher à René Girard. Tout ça, c'est la faute des Chinois. Ensuite, la panique. On s'en sortira jamais. Et enfin, après l'apparition de vaccins, l'envie d'oublier et de tout reprendre comme dans le monde d'avant, selon l'expression que citait Charlotte à l'instant. Alors, cette dernière phase semble tout à fait normale. C'est cependant négliger quelque chose qui, à mes yeux, est très important. Certes, on a hâte que la population se vaccine et qu'on atteigne l'immunité de troupeau, qu'on sorte enfin, qu'on se réunisse, qu'on s'embrasse, qu'on dîne ensemble, que la vie économique reparte, que la vie sociale reprenne, qu'on revive, quoi. Somme toute, la sortie de crise a toujours eu lieu. La fin est toujours arrivé. Mais il y a un fait nouveau qu'attestent bien des travaux scientifiques. Jamais jusqu'ici, l'espèce humaine n'avait été si nombreuse, si mobile, si apte à se croiser, s'entrecroiser, se mêler, au point de devenir un hôte parfait pour les agents pathogènes et leurs incessantes variations. Il est donc plus que probable que les actuelles contagions prennent fin. Mais cette fin n'est que le début de ce que certains hommes de science ont nommé l'ère pandémique. Le temps pandémique aura-t-il une fin? À quoi doit-on s'attendre? Que doit-on attendre? Sera-t-il suffisant de réduire l'ingérence destructrice de l'homme dans l'écosystème, de mieux contrôler les frontières entre l'homme et les micro-organismes animaux et le commerce sauvage des animaux exotiques? Vivre à l'ère pandémique, est-ce comme avoir une maison
dans une zone sismique qui nous oblige à nous demander chaque jour, non pas si le tremblement de terre se produira, mais quand il se produira. Et nous voilà plongés dans le temps. Voilà donc convenu pour tous, quel que soit l'endroit où on habite, le temps de l'attente. Comme disait Michel-Ange, cette attente semble être un futur qui se présente les mains vides. Depuis l'arrivée de l'épidémie, nous n'arrêtons pas de faire expérience de l'attente. On attend dans l'ennui que le soir vienne. On attend le vaccin, on attend devant les magasins, on attend dans les embouteillages, on attend dans les cabinets médicaux. Comme depuis toujours, on attend de grandir, d'entrer en sixième, d'avoir son bac, de rencontrer quelqu'un, de pouvoir réaliser ses projets. Mais, disait un écrivain que j'aime beaucoup, Cesare Pavese, attendre est encore une occupation. C'est ne rien attendre qui est terrible. Voilà qui semble juste. Mais sur le plan philosophique, on ne peut pas partager une telle idée. Car à strictement parler, il n'est pas possible de ne rien attendre. Alors qu'il est très possible, évidemment, de ne s'attendre à rien de la part de quelqu'un dont nous sommes certains qu'il ne fera pas ce que nous aurions aimé ou aimerions qu'il fît. Attendre, en effet, n'est pas une attitude, un sentiment. C'est la structure même de notre conscience, ce par quoi il y a pour nous un monde. L'attente est l'écoulement même du temps dont nous sommes faits et dont est fait notre rapport au monde. Au sens où la conscience intentionnelle, pour parler le langage de la phénoménologie, est ce par quoi je fais arriver le futur vers le présent et je le fais passer, selon les indications d'ailleurs qu'avait déjà vu très bien saint Augustin, que le temps, contrairement à ce qu'on fait quand on dessine un axe, ne part pas du passé. Comment pourrait-il déjà avoir passé s'il n'y a pas eu quelque chose avant qui s'est passé? Donc l'attente, c'est la manière dont nous faisons arriver le futur pour le présenter à nous et le faire passer, mais plus ou moins facilement. Pourquoi plus ou moins facilement? Parce que les choses que la conscience appréhende n'étant elle-même que pur mouvement d'appréhension, n'étant, comme disait Husserl, que conscience d'eux, ont elles-mêmes leur propre rythme, leur vitesse de devenir, si on peut dire. Aussi ne puis-je pas faire que la pomme acerbe que je désire manger soit déjà mûre, ni que le bus qui a 20 minutes de retard soit déjà là, ni que la nuit tombe plus vite. Autrement dit, le temps psychologique de la conscience doit négocier avec le temps biologique, le temps social, le temps artificiel des horloges, le temps cosmique. C'est pourquoi l'attente, qu'elle soit attente d'un événement heureux ou porteur de malheur, est toujours accompagnée d'un sentiment de dépendance, au sens où le temps psychologique s'y trouve destitué de sa souveraineté au profit de tous les autres temps. Aussi, dans une salle d'attente, je ne peux pas faire qu'arrive plus vite l'heure de l'embarquement, ni que le médecin ouvre la porte et m'appelle comme si c'était mon tour. Destitué, rendu impuissant, le temps psychologique tente dès lors de s'occuper, de se remplir de tout ce qui se présente, de tout ce qui est présent. D'où les attitudes ou les gesticulations presque comiques de celui ou celle qui attend. Il consulte 100 fois sa montre et son téléphone, regarde 100 fois l'affiche qu'il a déjà regardée, il scrute la moquette, il regarde s'il n'y a pas une petite bête en bas, observe les chaussures du voisin, suit le vol d'une mouche, etc. Notons que l'attente, que l'attention, elle, c'est exactement le contraire. Le temps psychologique est roi. Il se concentre sur un objet et neutralise tous les autres temps. C'est pourquoi, si nous nous sommes occupés à une lecture, on dit « je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas vu les autres temps, ni le temps cosmique, ni le temps biologique ». Entre l'attention et l'attente, il y a l'ennui, où le temps psychologique est roi, mais désœuvré, c'est-à-dire incapable de saisir la moindre opportunité, un intérêt, un jeu, une émotion, un travail, une création, parmi toutes celles qu'offrent tous les autres temps. Tel l'étranger de Camus, qui a annihilé à ce point les critères et les valeurs de son existence,
que des événements comme la mort de sa mère ou le meurtre d'une personne ne provoquent plus aucune émotion. Mais revenons à l'attente. Non sans avoir noté cependant que ces derniers mois, l'attente, attendant la venue d'une sorte de dieu vaccin, toutes nos consciences ont tenté de meubler le vide en s'adonnant à toutes les activités possibles et imaginables, souvent répétitives, mécaniques, parfois délirantes, en s'occupant, en inventant chaque jour un nouveau discours, une nouvelle hypothèse, une fadaise même, sur l'action du virus. Si du point de vue psychologique, on saute cette fois sur le plan ontologique, que devient effectivement l'attente ? Je voudrais reprendre ici la distinction célèbre que faisait Heidegger dans un séminaire de 1944 entre attendre, erwarten, et être en attente, warten. Attendre, c'est s'accrocher à un acte de représentation et à ceux qu'il représente. Autrement dit, attendre quelque chose ou attendre que. Alors que être en attente se soustrait à la représentation. Autrement dit, il n'a pas d'objet. C'est une sorte d'abandon, de Gelassenheit, d'abandon à la venue du monde. Pour Heidegger, d'ailleurs, une telle attente touche au plus près l'essence même du penser, au sens où l'attente est ce qui se produit lorsque, une fois abandonné tout vouloir, on est en attente de quelque chose dont on ne sait pas ce qu'elle est, ce qui par ailleurs signifie que l'attente est ce que les choses n'ont pas, à savoir la faculté de s'abandonner. Dès lors, que signifie la question « de quoi est-on en attente si l'attente n'a pas d'objet ?» On répondra que l'attente n'est qu'attente d'elle-même, un peu comme le désir, qui ne se contente jamais d'être désir d'un objet, mais désir seulement désiré. Aussi, celui ou ce que nous attendons, l'attendu, n'est jamais celui ou ce qui arrive, l'hôte. Tout simplement parce que celui que nous attendons appartient à l'imaginaire, au langage, alors que celui qui arrive appartient à l'événement. Disons-le en d'autres termes, ce que j'attends, au fond, c'est toujours moi, mais c'est toujours l'autre qui arrive. C'est moi que j'attends parce que j'attends à partir de mes désirs, de mes angoisses, de mes phobies, de mes espoirs, de mes expectatives. Mais ce qui arrive, c'est toujours l'autre, l'autre inattendu, l'étranger qui excède mon ipséité, qui apparaît, l'étranger qui apparaît par surprise dans l'espace de mon attente et qui se pose en attente de reconnaissance. Le plus bel exemple, c'est celui de l'enfant que les parents attendent. Le nouveau-né est justement l'autre à elle qui détruit les représentations de celui qui n'était qu'attendu. Il n'est pas celui ou celle que les parents attendaient, mais, le terme est un peu dur à avaler, une sorte d'attente trahie, si on peut dire, ou alors de merveille, de surprise. Un être nouveau qui se pose lui-même sans langage, avec ses grands yeux ouverts, en attente d'être reconnu. Moins par la loi qui émane du Père, espérons-le, que par l'amour qui émane du cœur du Père et de la Mère. On le voit, fait de temps, l'homme est attente, et l'attente est l'attente d'elle-même, c'est-à-dire la venue inopinée, inédite, imprévue, inattendue, d'une irréductible altérité, d'une étrangeté qui fait de l'avenir la venue de ce qu'on n'attendait pas. Alors, attendons la fin de la pandémie. Mais c'est autre chose qui adviendra. C'est à tout autre qui adviendra. Peut-être, qui sait, de nouvelles formes de vie, plus humaines, plus solidaires, plus aptes à prendre soin du monde et de la nature, plus soucieuses des générations passées, présentes et futures. Voilà ce que je voulais dire en entrant, puis ensuite peut-être qu'on reprendra dans notre discussion. Et je passe la parole, si je puis dire, à mes camarades. Merci, merci Robert. Évidemment, ce que je vais dire, recouper
tout ce qui a été déjà dit, peut-être à ma manière, si j'ose dire. Donc, à quand la fin de l'épidémie ? Vivre avec la question. Cette question ne s'adresse pas tout à fait au philosophe, Charlotte l'a dit. Elle s'adresse sûrement plus conséquemment aux scientifiques, et encore, nous ne sommes pas sûrs que le scientifique pourrait y apporter une réponse claire et distincte. Le sous-titre, en revanche, de cet intitulé ouvre bien au philosophique, à la pensée philosophique. Évidemment, en ce que cette pensée engage une réflexion autour de ce que peut signifier vivre avec la question, c'est aussi vivre avec les autres. L'autre est celui qui nous questionne à l'horizon de cette question. Mais aussi, et peut-être surtout, vivre avec la question, dans notre cas aujourd'hui, c'est dire comment vivre avec une question irrésolue. Comment vivre avec une question qui n'a pas de finalité déterminée, qui se renouvelle aussi chaque jour et chaque fois qu'on la pose, tant la réalité de ce que nous vivons est infiniment transformée, transformable et travaillée par d'incessants changements. On ne saurait dire quand cette question trouvera ou si même elle trouvera sa réponse. En vérité, on n'en sait rien, mais sans savoir ni connaître le moment, l'instant, le temps où la fin de l'épidémie arrivera, nous sommes néanmoins aux prises avec une question qui ne s'inscrit pas dans la traditionnelle structure, dans le traditionnel mouvement de la question et de la réponse, de la question qui appelle toujours une réponse. Nous sommes bien plutôt devant une question qui nous tombe dessus, comme l'événement, disait Robert, qui nous tombe dessus tous les jours, différemment, qui s'impose à nous, au point où l'on peut même se demander si c'est nous qui posons la question, à quand la fin ? Mais comme si nous étions exposés à cette question, comme si elle nous venait d'ailleurs qu'en nous. Comme si la question nous arrivait avant que nous puissions même la poser pour nous-mêmes. En somme, nous la vivons, cette question, comme si elle s'imposait à nous depuis autre chose que nous. Elle ne dépend plus de nous. Alors, qu'est-ce que vivre avec une question qui s'abat sur nous et devant laquelle nous nous sentons désarmés, impuissants ? Qu'est-ce que vivre avec une question sans réponse, ou en tous les cas sans réponse prévisible ? Qu'est-ce que vivre exposé à une question dont nous ne détenons pas les moyens pour y répondre ? Ou même les armes pour la comprendre. C'est dire, qu'est-ce que c'est que de vivre exposé ? Exposé au non-savoir et à l'imprévisible. Qu'est-ce que cela veut dire, être exposé ? Qu'est-ce que pensait notre être exposé ? L'exposition originaire de l'homme à la vie, à la mort, aux événements de l'histoire et, d'une certaine manière, redoublés dans notre contexte actuel. Nous sommes forcés au confinement, n'est-ce pas ? Comme si l'extériorité nous repoussait vers nous-mêmes. Alors, tout d'abord, nous nous trouvons ici face à un certain bouleversement, Robert l'a dit, de la structure de l'attente. Quand on attend un événement, c'est que celui-ci demeure néanmoins prévisible et attendu. Là, je rejoins tout à fait les propos de Robert. Certes, nous ne connaissons peut-être pas le moment exact de son événement, de sa venue, mais toujours est-il que nous sommes sûrs au moins de sa venue éventuelle. Il arrivera, l'événement, et c'est bien pour cela que nous l'attendons. Or, ici, dans
notre contexte épidémique, dans notre cas aujourd'hui, nous ignorons non seulement quand, mais aussi et surtout s'il adviendra. Si l'événement de sa fin, de la fin de l'épidémie, se produira. Et donc, nous sommes exposés à une attente sans but, sans fin, une attente, pour ainsi dire, qui n'attend pas ce qu'elle attend néanmoins. Nous vivons donc en quelque sorte un redoublement imprévisible de l'attente. Nous attendons sans attendre vraiment, sans avoir un but ou sans savoir qu'est-ce qui arrivera marquer et inscrire la fin de l'attente. Et aussi, que signifie dans cette question la fin ? Qu'est-ce que peut vouloir dire dans cette question la fin de l'épidémie ? Est-ce un retour à la vie normale, comme disait Charlotte, à une certaine normalité de nos vies ? Et question aussi posée, que voudrait dire normal ici ? La vie d'avant ? La vie telle qu'on l'a menée avant que cette épidémie s'abatte sur nous ? Osons poser aussi la question, est-ce souhaitable ? Est-ce souhaitable ce retour à une normalité définie à partir de ce que nous vivions avant l'épidémie ? Est-ce approprié ? Est-ce approprié pour nous aujourd'hui de se dire l'épidémie, une fois passée, une fois arrivée à sa fin, nous reconduira à notre vie habituelle, notre vie d'avant l'épidémie, à l'organisation sociale, à l'organisation politique, économique de nos vies avant l'épidémie. Et osons aussi une question supplémentaire, question difficile, est-ce que ces modes de vie d'avant, aussi liés à l'avènement, ne sont pas aussi liés à l'avènement même de cette épidémie, d'une certaine manière ? Question évidemment très très difficile parce que nous pourrions ici très vite tomber dans des structures de pensée complotistes, ce qui n'est absolument pas ce que nous souhaiterions transmettre, je crois, ici. Mais est-ce que ces modes de vie, nos manières de consommer, nos manières de manger, nos manières de voyager dont a parlé Robert, nos manières de se rapporter à la nature, aux autres et à soi, ne sont pas aussi d'une certaine manière donc liées à cette épidémie. Mais en tout cas, il faut pouvoir aussi le dire, notre vie d'avant, les modalités politiques, économiques, sociétales, n'y est pas pour rien dans l'avènement de cette épidémie. On peut peut-être s'entendre là-dessus. Cette question est surtout l'idée qui est inscrite, à savoir de vivre avec cette question, doit nous engager vers un autre questionnement. Si notre question doit se méfier d'un certain retour, j'ai beaucoup aimé l'expression de Vladimir Jankélévitch, de faire demi-tour. Un certain retour, en tous les cas, à ce que nous avons pris l'habitude de nommer la normalité, la vie normale et tout ce qui s'y joue et s'y profile, elle doit nous propulser vers cette autre interrogation, à savoir, ne faut-il pas changer ? Ne faut-il pas radicalement changer ? Ne faut-il pas engager un changement profond de notre normalité ? Et la question de l'autre cap. Et si oui, lequel, lesquels, comment changer ? À partir de quelle idée ? Vous voyez que ce sont des questions extrêmement difficiles. Comment se réinventer ? D'ailleurs, nous observons que si dans le premier confinement, en mars dernier, il y a un an, je pense que dans les entretiens que les rencontres et que Joseph avait fait avec des philosophes autour au moment du premier confinement, nous observions, nous constations une profusion d'appels au changement, au changer, aux alternatives, à la nécessité de se transformer
Force est de constater qu'un an après, c'est dire un an après l'installation dans l'épidémie et des différentes mesures restrictives pour la contrer, nous entendons beaucoup moins ces appels. Quelque chose comme une fatigue s'est installée et aujourd'hui, nous sommes à la fois fatigués de ce que nous vivons, l'épidémie et les restrictions qu'elle engendre dans le cours de nos vies, et fatigués aussi des appels à changer. Fatigués des appels à se transformer, à se métamorphoser. Lors du premier confinement, nous produisions le rêve d'un changement nécessaire. Aujourd'hui, nous n'aspirons qu'au retour à la normale, un certain changement donc, mais limité, petit, circonscrit, pourvu qu'on revienne à la normale, à la normalité. À quand la fin s'entend comme à quand le retour à la normalité? Et je souhaiterais ici suggérer une piste quelque peu différente, évidemment, avec mes camarades. Après ce constat sur l'épidémie, sur ce que nous avons, sur ce que nous vivons exposé à une question sans réponse, sans finalité, qui ne cesse de se reposer à nous tel un éternel retour de ce à quoi nous ne pouvons répondre, nous aimerions proposer une certaine inflexion, à savoir ce désir de normalité, de retour à la vie normale, avec tout ce que celle-ci veut dire de réconfort, de sécurité, de confort, de retrouvailles aussi de nos mœurs et valeurs, de nos normes, de nos habitudes, qui ne sont évidemment pas méprisables, loin de là, se manifestent ici, se manifestent si fortement, non pas parce qu'ils seraient ce que nous souhaitions véritablement, mais parce que le changement de cap, tant désiré, la transformation de l'humain dans son rapport à la nature, aux autres, à l'économie et aux politiques, ne s'engage point. En tous les cas, il tarde. Nous vivons dans l'impatience d'un changement d'horizon et pourtant, il tarde. Donc, peut-être, Joseph, tu voudrais continuer avec la question qui a été aussi posée par Charlotte. Quel changement est exigé ici dans le concept de responsabilité? Quel changement s'impose à nous? Quelle est la responsabilité qui s'impose à nous? Quelque chose dans cette crise, Charlotte l'a dit, interpelle ce concept central, évidemment, à l'éthique et à la philosophie de responsabilité. Quelque chose dans cette crise interpelle notre responsabilité. Merci beaucoup aux trois. Donc, la difficile tâche, non pas de conclure, mais d'ouvrir un dialogue m'impose et me revient. Moi, je terminerai nos brèves interventions par cette idée, et je pense que vous le remarquez, enfin moi je le sens en tout cas, je pense que vous le remarquez, dans les appels au changement, dans ce que Charlotte disait en citant Yankelevitch, la fin de l'intervention de Robert sur la nécessité de ce changement radical, de cette altérité qui adviendra dans ce que Raphaël vient de dire à la toute fin sur le désir de changement qui tarde. Je pense que vous pouvez remarquer, et je le sens moi-même, certaines fatigues. Oui, on est fatigué de devoir dire et redire la nécessité du changement. Et pourtant, cette nécessité du changement, du changer, s'impose. Et peut-être, au fond, nous sommes fatigués de la structure binaire de la question. Soit retour à la vie normale, ce qui serait très bien, en fait. On aspire tous à retrouver nos proches et à retrouver une vie normale. Donc, c'est tout à fait louable et normal. Et en même temps, éveil, nécessité d'un éveil, à une nouveauté
redéfinitionnel, un certain changement de paradigme. Donc, la binarité de cette question, le binarisme, hein, on est coincé dans ce binarisme, d'où la difficulté même pour les philosophes que nous sommes tous, la difficulté de penser au-delà de ce binarisme. Et je pense que s'il y a quelque chose que cette épidémie a révélé, eh bien, c'est que nous sommes devant un cas limite. Nous sommes devant un cas limite, c'est-à-dire que devant cette alternative, eh bien, nous sommes épuisés. Nous n'avons plus les moyens de penser ni pour l'un ni pour l'autre, et encore moins pour un au-delà du binarisme que je viens de décrire. Donc, c'est pour ça que je pense au fait qu'il faudrait peut-être changer de question, enfin, ou en tout cas déplacer un petit peu la question. Et je souhaiterais commencer par, dans ce déplacement, par viser un peu ce qui est entendu ici dans la question que nous posons, hein, à quand la fin, poser la question de pourquoi dans notre histoire, hein, ceux qui connaissent un peu Nietzsche vont reconnaître un peu la manière nietzschéenne de poser la question, pourquoi en sommes-nous arrivés, nous, aujourd'hui, à un concept tel de fin, de finalité, et qui peut être mobilisé dès que le sujet est mis en question et se voit destitué. Pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle idée de fin où la crise, ici la crise épidémique, se voit dépassée et surpassée? Nous pourrions revenir et retourner à une normalité passé d'antan ou d'avant. En ce sens, ce que je souhaiterais vous suggérer, hein, c'est, en déplaçant un peu la question et en se concentrant sur pourquoi cette idée de fin nous travaille tellement, nous habite, nous détermine presque, ce serait de poser non pas la question « à quand la fin de l'épidémie ?» ou « jusqu'à quand ?» la persévérance du soi qui poserait la question « à quand en sortirons-nous ?» mais bien plutôt « à quand le changement de cap ?» Voilà la question que j'aimerais. « À quand l'autre cap ?» Donc, en fait, non pas poser une question de la fin de l'épidémie, mais poser une question qui s'inscrirait dans un certain avenir et qui se proposerait ainsi: eh bien, quand est-ce que va venir le tournant ou le changement de cap ou l'autrement du cap? Non pas la fin, mais le tournant ou l'autre cap qui nous permettrait non plus de revenir à la normalité, mais qui en fait nous pousserait, nous forcerait à repenser entièrement notre idée de responsa, de répondre à la question que nous nous posons aujourd'hui, à quand la fin, tout autrement la question de la réponse et donc de la responsabilité, en sortant de ce rapport à la fin, de ce rapport entre une subjectivité qui est en crise et qui rêve de sortir de la crise et qui appelle cette sortie de la crise la fin de la crise. Donc, en fait, la question, le déplacement de la question ici, eh bien, je la vois dans cette optique de l'idée de réinventer ou de se réinventer. Non pas rêver de la fin, mais rêver de la réinvention ou de la réinvention de soi. Vous voyez, parce que j'ai, au fond, cette idée qu'il faut trouver absolument un autre concept que celui de l'adaptation, de celui de « il faut s'adapter ». Il faut trouver autre chose. L'humain est beaucoup plus fort que « il faut s'adapter ». Il faut trouver autre chose qu'un retour à soi, qu'un retour aux valeurs et aux normes premières et primaires, la sécurité, le confort, l'assurance de déjà savoir ce qui nous attend, ce qui nous attendra, ce qui vient ou ce qui viendra, pour proposer évidemment
je viens de le dire, une autre inventivité du sujet, de la subjectivité, une autre capacité, une autre force au fond du sujet pour se réinventer. Et donc, en quelque sorte, je proposerai quelque chose comme l'éveil d'une autre subjectivité. L'éveil d'une autre subjectivité qui ferait toujours plus que de se donner une fin, inscrirait le surplus dans l'histoire sans ne jamais rien compromettre de cette histoire. Surplus dans l'histoire sans ne jamais rien compromettre de l'histoire. Je pense que vous pouvez voir que là, je pense qu'il est grand temps pour l'humain, les humains que nous sommes, d'en finir avec l'idée d'un certain sacrifice ou sacrifice du soi. Je pense que l'éveil de cette subjectivité, eh bien, ce n'est pas celui d'une subjectivité sacrificielle. Elle demanderait, en continuité avec cette idée qu'il ne faut plus poser la question de la fin, mais poser la question de quand adviendra le tournant dans l'avenir de l'humain, et je pense qu'elle demande au contraire que rien ne soit jamais sacrifié. Tout le contraire de cette logique sacrificielle qui a structuré et déterminé la subjectivité depuis la mort de Socrate dans le Phédon jusqu'à Nietzsche et Heidegger. Et... ne rien sacrifier. Alors, quelle serait la positivité de cette idée du sans-sacrifice, de non pas être pour la mort, comme disait Heidegger, mais être contre la mort, résolument contre la mort. Non pas être pour la mort, je reprends les formulations heideggeriennes ici, mais bon, parce qu'elles s'appliquent à l'entièreté de l'histoire de la philosophie aussi, hein, c'est pour ça qu'on cite Heidegger, parce que c'est vraiment le philosophe qui aura repris l'entièreté de l'histoire de la philosophie, non pas l'être pour la mort dans cette modalité sacrificielle, apocalyptique de la vérité de l'histoire, hein, d'arriver à la fin de l'histoire qui permettra de séjourner dans l'être de l'histoire, mais bien plutôt une idée du sujet qui se refuserait à la mort, à l'être pour la mort, qui imposerait un contre la mort et qui donc refuserait toute idée sacrificielle et qui marquerait le sans-sacrifice. Eh bien, ça pourrait peut-être vouloir dire quelque chose comme ça, qu'on serait responsable, qu'on répondrait, non pas à la question de la fin, mais de ce qui vient toujours avant que la question de la fin puisse se poser, et au-delà de la position même de cette question de la fin. Être responsable de ce qui vient avant nous et au-delà de nous, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas encore nés comme de ceux qui ne sont pas encore morts, toujours avant nous-mêmes. Répondre avant et sans attente, dans l'urgence, à l'appel des morts passés, des vivants à venir, des aînés et des vies qui viennent. Cette crise du Covid, vous voyez, elle n'est peut-être pas si abyssale, si nous en retirons ce que cette crise nous dit ou veut nous dire. Et ce qu'elle nous dit, c'est peut-être ceci. Non pas simplement se défaire de l'idée de normalité, de retour à soi, mais bien plutôt de se défaire de l'idée de la fin, de la finalité et par extension de la persévérance du sacrifice dans notre pensée. Vivre sans sacrifice, vivre avec l'exigence de ne rien sacrifier et par conséquent de veiller à ce que rien ne soit épris dans cette logique du sacrifice. C'est peut-être dire de la subjectivité qu'elle se doit d'éveiller dans sa mémoire et sa projection les morts passés et les vivants à venir en se refusant au deuil, au travail du deuil, pour inventer ce qui peut permettre à ces morts passés et ces vivants à venir de survivre. Survivre, ça veut dire de vivre plus qu'une vie normalisée. Mais j'ai commencé par là. C'est vrai,
il y a une certaine fatigue. Et je vais terminer avec un magnifique texte de Camus. Alors évidemment, le contexte est différent, mais parce que Camus parle là, de... c'est une pièce hein, de Camus, il parle là de la guerre d'Espagne, hein. Magnifique, magnifique pièce, s'intitule « L'état de siège ». Fatigue, oui, parce que, vous connaissez cette pièce, hein, Camus donne la parole au nihilisme dans cette pièce, qu'il personnifie dans un personnage hein, de la pièce qui s'appelle Nada. Hein, nada, en espagnol, ça veut dire rien. Voilà Nada qui parle, le nihilisme. Camus, les voilà. Les anciens arrivent. Ceux d'avant, ceux de toujours, les pétrifiés, les rassurants, les confortables, les cul-de-sac, la tradition enfin, assise, prospère, rasée de frais. Le soulagement est général. On va pouvoir recommencer à zéro, naturellement. Voici les petits tailleurs du néant. Vous allez être habillés sur mesure. Mais ne vous agitez pas, car leur méthode est la meilleure. Au lieu d'entendre et d'écouter ceux qui crient leur malheur, ils ferment leurs propres oreilles. Nous étions muets, nous allons devenir maintenant sourds. Attention, ceux qui écrivent l'histoire reviennent. On va s'occuper des héros. On va les mettre au frais, sous la dalle, et les festins de la haine sont toujours ouverts. La terre épuisée se couvre du bois mort des potences. Le sang de ceux que vous appelez les justes illumine encore les murs du monde. Et que font-ils? Que faisons-nous? Eh bien, nous nous décorons. C'est le nihilisme qui guette. Évidemment, Camus, qui lutte contre ce nihilisme, comme nous aujourd'hui luttons contre le nihilisme et cette fatigue imposée par cette crise, termine cette pièce avec ce magnifique passage que je vais vous lire. Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules, mais dans votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, les signes du ciel, les visages d'été, ça c'est vraiment Camus, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des hommes. Au sein de vos plus apparentes victoires, eh bien vous voilà déjà vaincus. Parce qu'il y a dans l'homme une force que vous ne réduirez pas. Ignorante, mais victorieuse à tout jamais. C'est cette force qui va se lever. Et vous saurez alors que votre gloire n'aura été que fumée. Voyez, notre chance, c'est-à-dire cette force, eh bien, c'est peut-être cet espoir que nous devons toujours maintenir et garder en vie. C'est peut-être cette idée de se refuser au sacrifice et de se refuser à ce que ce temps-ci soit sacrifié comme ceux qui sont sacrifiés à ce temps-ci, c'est-à-dire les morts passées et les vies peut-être à venir. Bon, voilà, je vous remercie.